Alors premièrement, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evoland 2. La dernière fois, Menos s'est fait littéralement kidnapper avant de se faire violer. Et du coup, il faut juste qu'on trouve le bon accès pour pouvoir aller le sauver. Parce que bah, franchement, c'est celui qui a une voix... C'est celui qui a la meilleure voix... Wouah ! C'est celui qui a la meilleure voix en fait. Parce que là, je vais devoir doubler les deux meufs. C'est pas que j'aime pas doubler des meufs. C'est que je suis un mec, donc je ne suis pas fait pour doubler des meufs. J'aime bien parce que lui, il faut attendre qu'il monte son build pour le taper, quoi. Ok, pour l'instant, on est pas mal. Ok, je vois le genre. Ok, je vois le genre. Maintenant, on monte ici. Coffre. Après je compte pas, j'ai déjà dit mais dans cet épisode, mais je vais le redire, je compte pas faire le 100% sur le jeu, donc si je dois rater quelques coffres, c'est pas grave. En plus je crois que pour avoir ce coffre il faut d'abord faire tout le donjon, donc on n'est pas prêt de le récupérer. Bam bam bam. Je crois que c'est bon là, on a fait le tour. Sauf que pour sortir il me faut Menos. Après faudrait qu'on fasse un petit épisode pour éveiller les personnages. Attendez. Vous montez? Moi aussi. Il y a même la musique. Bonne journée. Aïe. Connard. Ok, il y a quand même des petites phases d'humour qui sont bien rigolotes, c'est le fun, on s'éclate. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. J'aime bien ma rigoler. Putain mais... Ah mais je l'ai, ça l'a ralenti, ça l'a pas arrêté en fait. Non, moi je prends l'XP. En vrai entre tout ça là, entre monter et récupérer l'XP, l'XP c'est plus important parce que ça permet de taper plus fort. Comment je le bute lui? Raté. Là le problème ça va être les araignées. Ah d'accord, ça s'arrête là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Continuons. Il y en a encore un là. Hey. On peut pas continuer en haut donc on descend. Il y a un totem là. Ok, ça c'est fait. Ah! J'aurais pas dû sauter. C'est un jeu de stratégie avant tout. Je bourre le bouton et ça marche. Ça là c'est safe. C'est safe, c'est safe. On s'éclate. C'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut savoir c'est que si je tombe sur des pics, je meurs instantanément. Bam. D'accord, je peux pas monter là-haut. Non, le slime. Bien. Piti piti. Ok, donc faut monter là. Ensuite on saute ici. Ouh. Ouh.
Aïe! Ah, ah! Ah non, je suis mort! Fuck! D'accord. Ça faisait pas partie de mon plan, mais d'accord. Ah mais non, du coup, ça a annulé mon attaque! Le bruit du... de l'atterrissage. Bim! Ça fait vraiment gros cul. Ok. Ah ça, c'était vraiment pas cool! Je cautionne pas ça, monsieur. Ok. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Putain, mais... Ah oui, mais je pouvais pas passer de toute manière, il me faut mes noces. Hop, 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 hop. Ninja. Oh merde. Connard, connard. Connard. Ok. Le problème c'est là. On va attendre qu'ils soient tous à la suite et on va leur faire un petit... Ça. Ça a pas marché. Je suis mort. Oui encore. C'était une bonne idée. Voilà, là on est bien. Voilà, ça avance. Est-ce que j'ai bien fait de sauter là? Ouais, c'est bon. Aïe. L'erreur, l'erreur. Voilà, ça c'est du nettoyage. Et juste pour être safe, on va aller récupérer ce cœur. Comme ça. Ok. On est pas mal, on avance, on est tranquille, c'est safe, c'est sécure. On prend l'ascenseur. Comment ils font pour avoir des ascenseurs en bois? Je commence à m'inquiéter pour mes noces. Oh, ma chouchou, tes muscles saillants me font frémir. Lâchez-moi, je ne suis pas votre chouchou. Oh, des gens sont venus me voler mon chouchou. Mais jamais ils n'arriveront jusqu'à moi. Alors, je sais pas si vous avez reconnu le pattern, mais c'est Donkey Kong sur le jeu d'arcade. Sur arcade, du coup. On dirait que Menos... On dirait que Menos a besoin de notre aide. Ta gueule. Voilà, il y a des cailloux qui tombent. Ah. Aïe 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 aïe. Arrête d'être une merde. Arrête d'être une merde. Et tout se passera pour le mieux.
mon chouchou, ils tiennent à toi, tes amis. Mais moi aussi, personne ne pourra nous séparer. Ah! Mais allez, monte l'échelle! Aïe, aïe, aïe. Ah! Mais... alors, les stalagmites qui tombent du ciel... Non, merci. Mais ok. J'ai 4 PV. Et le problème, c'est que je crois pas avoir de quoi me soigner. Non, j'ai rien de quoi me soigner. On va mourir. Des PV. Aïe. Putain, mais descends de là, gros cul. Oh, PV. Je suis en train de me faire le vieux rapier à vie. Ah. Ah. Quand il saute, je peux pas l'attaquer. Waouh, waouh, waouh. Ah, de la vie. Un petit PV. C'est vraiment le combat le plus pitoyable que vous ne verrez jamais. Ah, le caillou sur la gueule. Ok, ça n'a pas marché. Oh non! Oh, la RNG qui m'a tué. Allez, descends. Putain, mais les stalactites qui tombent du ciel. Aïe. Aïe. C'est beaucoup plus facile, hein. Connard. Il y a un cœur. Oh, c'est Ménos, il nous ramène une échelle, c'est trop mignon. Quoi, c'est tout? Même pas un petit level up? Après tout ce que j'ai chié pour... Connard. Merci à tous les trois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Qu'est-ce que tu racontes, Ménos? Tu aurais fait exactement la même chose pour que Hero Velvet ou moi, n'est-ce pas? Je suis bien contente qu'on t'ait délivré de ce troll vicieux. Avec son masque et son gourdin. Brrr. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il t'aurait fait si on n'était pas intervenu. J'aime bien le double sens. Avec son masque et son gourdin, son très très gros gourdin. Non, parlons plus, je préfère. Aucun problème, j'ai déjà tout oublié. Yo, cette échelle devrait nous permettre de sortir des cavernes. Je pense que l'on peut considérer ce stage d'initiation comme terminé. Chouette! On va pouvoir participer au tournoi. Mais si, à chaque stage d'initiation, ils doivent buter un troll vicieux. Ah oui, d'accord, ça nous a vraiment ramené au tout début. Mais si à chaque chose d'initiation ils doivent nous ra... Ils doivent... Ok. J'ai 3000. Y'a plus de monstres. J'ai récupéré de la thune parce que du coup je compte acheter les conneries qu'il y a chez les vikings. Ok.
Aïe. Aïe. Ça serait con de mourir maintenant quand même. On va attendre que Ménos recharge. Et on va faire un nettoyage. Voilà. Là il y avait la meuf, mais le problème c'est que l'esprit de l'eau, je peux pas, donc j'ai pas éveillé Velvet chez Mamie Mystère. Donc il nous reste plus qu'à se barrer. Eux on les ignore, ils sont trop cancer, hein, on se barre. Hein. Putain mais c'est slime, ils ont tellement de vie quoi. Ah je vais me faire slime bangé. Il y a trop de slime dans les jeux vidéo aussi. Le checkpoint. Coucou. Bon, du coup. J'ai envie de dire que ça serait une fin d'épisode là. Et on pourrait s'inscrire au prochain. On va faire un cliffhanger sur ça. Ah, je sais pas en fait. En soi, maintenant que j'ai fini le stade d'initiation, je vais faire des courses. Ouais, je vais faire ça, je vais faire des courses. Non, m'acheter une nouvelle épée parce que j'en ai marre de pas faire mal. Toi là, toi. Vous cherchez de quoi vous trucider vos ennemis, nous avons tout ce qu'il vous faut. Achetez. L'épée Wiking. Acheter une épée Wiking. Oui. Vous avez tenu une hache, ça aurait été changé un peu mais il fallait refaire trop de graphismes. Putain, en vrai je peux acheter tout le reste. Une armure Wiking. Parfaite pour les longues nuits d'hiver mais adaptée pour draguer sur la plage. Moins adaptée pour draguer sur la plage. Des bottes. Enfin quelque chose d'un peu confortable. Bah je peux acheter mais... T'as plus rien. Du coup... Je vois pas la... Ce que vaut les objets... Les petits objets en cuir. Que j'avais ou les l'acier. Si ça se trouve j'ai fait de la grosse merde. Épée en acier c'est moins bien qu'une épée viking. C'est mieux qu'une épée viking si ça se trouve. Attendez. J'ai 50 d'attaque. Si je mets l'épée en acier. J'ai 46 d'attaque. Ok. Le viking c'est mieux. Ouais. On va rester sur ça pour l'instant, c'est pas mal. Et du coup, je pense qu'on va mettre un épisode sur ça. Prochain épisode, le tournoi viking. Alors ne le ratez surtout pas, car ça va chier des culs. Sur ce, ciao bye. Abonnez-vous.